Bienvenue sur GM6 pour ce tutoriel numéro 31. On va continuer donc sur notre Joudel et on va voir donc dans ce tuto comment affiner et ajuster la pièce pour qu'elle soit évidemment qu'elle corresponde parfaitement à cette ligne de chevaux. Donc si on regarde bien la deux chevaux, si vous avez mis votre pièce en place, normalement ce bord ici, le plat ici, ne passe pas sous l'aile, alors que là on voit bien que ça passe sous l'aile. Donc pour ceux que ça suffit, qui seront satisfaits de leur ouvrage et qui veulent s'arrêter là, pourquoi pas. Mais si vous voulez faire réellement la pièce, il va falloir faire passer toute cette surface ici, enfin du moins au moins la pointe sous l'aile. Donc je vais vous expliquer comment faire. Et puis on verra comment on va voir comment donc affiner la pièce, éventuellement la modifier. Pour ne pas avoir de problème, donc, je vais vous faire voir ça. On va repasser à la pièce en question. Donc, je vous disais que cette surface ici passe sous l'aile. Donc, pour arriver à faire ça, vous allez donc commencer par vous mettre en mode Edit évidemment, et on va sélectionner ici ce vertice là. On va, comme on a fait pour creuser Louis, on va donc pratiquer une rotation en amenant le curseur 3D, donc le curseur 3D vers la sélection. Et ensuite, on va sélectionner toute la plaque. Alors là, il faut faire attention à ne pas se tromper. C'est tout ce que vous devez ramener. Donc là, il faut bien sélectionner ici. Le bord ici, surtout pas là, c'est pas la peine de sélectionner. Donc là, on va sélectionner tous les vertices qui sont le long comme ça. Là jusqu'à là. Ensuite, ici sur le bord, donc c'est tout ce qu'il va falloir. Donc là on peut sélectionner ça. Alors, je vais remettre là. Voilà, ça va mieux. Donc évidemment ces vertices là, puis C, et à partir de là on peut sélectionner tout ça. Tout ce qui va devoir tourner en fait. Voilà, donc on va pratiquer, on va se mettre en vue dessus. Donc là, à partir de là, on contrôle bien qu'on n'a pas sélectionné les choses qu'il ne fallait pas sélectionner. Hein. Les pointes, notamment. Pour ne pas avoir ensuite des erreurs. Celui-là, il fallait que je le sélectionne aussi. Voilà, vue dessus. Je vais peut-être même mettre en vue de face pour que vous voyez bien tout ce qui est sélectionné. Hein. Je vais sélectionner tout ça. Vite dessus. Et là, donc, on va faire sortir ici cette surface. En faisant une rotation R, alors là il faut y aller très doucement, R, puis tout de suite derrière vous appuyez sur Shift pour tourner doucement.
et vous épaississez un peu la pièce comme ça. Juste histoire de pouvoir la faire passer ensuite ici, cette partie là passe sous l'aile. Donc il va falloir ensuite positionner, si ce n'est pas fait, elle est positionnée, votre pièce normalement. Donc, il faut donc lever légèrement le capot. Éventuellement, si vous avez, alors on va se mettre dans toutes les situations, éventuellement, enfin toute une bonne partie du moins. Imaginons par exemple que vous ayez le bout qui ne soit pas assez long. Alors là, vous allez tout simplement vous mettre au vue de face. Puis simplement tirer dessus comme ceci pour l'allonger, faire surface, coupe, ici en mode barycentre, surface, et puis ensuite vous rabaissez votre ensemble, vue de dessus, vous le remettez dans l'axe ici. Ça, c'est le premier moyen pour agrandir la pointe. Ensuite, vous remettez ici. Vous rajoutez donc un nouveau rayon ici et vous allez pouvoir régler l'arrondi pour que ça corresponde. Donc au bord de l'aile évidemment. Au bord de bout. A, C. Hop. Donc voilà déjà un premier moyen de revoir le bout et de l'affiner. Voilà ce que ça donne. Donc là, on commence à se rapprocher de la pièce dans sa réalité. Ensuite, il est possible que vous ayez besoin, par exemple, éventuellement, d'agrandir le bas ici, pourquoi pas, vous risquez d'avoir besoin de descendre le bas. Alors là, ce que vous allez faire, déjà, vous commencez par dissoudre cet arête-là, si vous l'avez mise. Donc, X, dissoudre, arête. Ensuite, ici, sélectionnez vertice, curseur vers sélection, Alt, un clic droit, vous sélectionnez tout, vue de face, rotation, et là vous pouvez agrandir ici. J'espère. Donc là on voit une espèce de coupure qui n'est pas très normale. Dans ce cas là, pas de panique. On va regarder ce que c'est. Éventuellement, on redresse si c'est redressable. Bon, je vais faire. Faire une petite bidouille. Là, on peut remettre comme ça. C'est des choses qui ne vont pas. Donc là, si vous avez un marquage, après c'est normal, simplement c'est dû au fait qu'il y a maintenant trop de vertices qui sont serrés les uns contre les autres. Donc dans ces cas-là, on va tout simplement revoir les espaces W ici, A, C, W, espace, et là on sélectionne évidemment pas le haut puisque c'est le marquage de l'arête. W espace,
problème comme ça. Parce que ça n'a pas. Comme vous avez fait ça, vous pouvez encore éventuellement donner un petit coup de style relax. Encore que oui, ça en désélectionnera évidemment ça. Là, on peut, si ça n'est pas bon, arrêter ça. Là, comme ça, on est. Donc on peut donner, je disais, à relaxer l'ensemble ici, on va sélectionner ces deux vertices là, W, relaxer, alors on met un peu les choses dedans ici, on va avoir un bel arrondi. Il y a un tas de possibilités pour régler son maillage, mais bon, l'essentiel, c'est qu'il faut vraiment réfléchir avant, bien réfléchir avant de bouger des vertices, et puis finalement, on finit par faire des catastrophes. Donc il faut vraiment, avant de commencer quoi que ce soit, apporter sa réflexion. Ne pas avoir de soucis. Donc tout à l'heure j'ai fait tourner ici, je regarde si tout va bien, si j'ai bien les mêmes même distances, logiquement non, mais je vais avoir très très peu de différence, et ça ne vaut pas vraiment le coup de s'amuser à ça. Vous pouvez avoir besoin par exemple de resserrer ici éventuellement pour avoir un marquage plus fort cette arête, hein. GG, vous rapprochez ici et surtout vous sélectionnez pas tout l'ensemble. Si vous devez marquer davantage ici les arêtes, c'est là que ça se passe, hein. C'est ça qu'il faut resserrer. Voilà, j'ai un marquage plus saillant. Qu'est-ce que vous pouvez... Alors, il est possible que vous ayez besoin d'allonger la pièce. Alors, dans ces cas-là, si vous devez allonger la pièce, on va je vais mettre une limite. vous allez utiliser plutôt la poignée de déformation. En mode paraissante, et vous allez plutôt utiliser la poignée de déformation comme ceci, ce qui modifiera légèrement votre angle ici, mais bon, et ce qui risque de modifier évidemment cet angle là qu'il faudra, cet arrondi là qu'il faudra revoir. Alors là, vous n'allez, ça ne correspondra plus forcément aux ailes, il faudra vous remettre donc en vue de face avec vos ailes et redescendre ces vertices là, ou alors pratiquer une rotation. En fait là non, parce que ouais, c'est trop court ici, non, il faudra descendre ces vertices et revenir sur le bord de l'aile. Parce qu'il y a, la possibilité éventuellement de se dire, on va se dire, tiens, je vais bouger seulement cette ligne de vertissage, je vais la tirer, et en réalité non, ça va pas le faire. Il faut d'abord essayer comme ça. Maintenant il est possible par exemple, oui, que
Alors là, vous avez possible qu'il y ait une, que ce soit pas que ici cet ensemble de phases soit pas assez long. Alors là, on est obligé, on ne peut pas faire autrement que de sélectionner tous ces vertices-là. Si vous avez cet espace-là qui est trop court, quand vous regardez votre modèle, quand vous regardez la deux chevaux, ici il y a cet espace-là. Si vous juxtaposez la photo que je vous ai mis donc en téléchargement et puis que ça ne correspond pas, il va donc falloir revoir cette taille-là. Donc là, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser la prise de déplacement comme ceci, de tirer légèrement dessus, et là on voit bien que ça va plus aller. On va donc être obligé de refaire une petite surface S très légère et redescendre l'ensemble pour retrouver un arrondi ici. Et voilà ce qui se passe. Dans ces cas-là, c'est très simple, hein. On va juste sélectionner cet ensemble de vertices complet et on va juste le déplacer pour retirer le marquage. Et si vous voulez remarquer vos arêtes correctement, vous vous placez celui-là. Je vais le faire, je regarde arrière. Voilà, je sélectionne tout plutôt et je désélectionne C. Hop. C, donc je désélectionne cet ensemble, tous ces vertices-là. Ouais. Et là, par contre, je vais faire glisser cela vers l'arrière. GG. Je déplace ça pour adoucir le marquage qui est là. Ici, vous pouvez donc sélectionner celui-ci, celui-ci et celui-ci. Même celui-ci d'ailleurs. Et faire donc W, vous pouvez relaxer. Donc là, ça va vous amener ça. GG pour revenir comme ceci. Retrouver. Ensuite, on ramène ici pour retrouver l'angle. Voilà, ce qui vous permet d'affiner ici l'arête. On peut rajouter si vous voulez marquer davantage. Un crayon, mais alors bon, voilà. Non. Erreur. Et là, on va remarquer tout le bas. Donc, à partir de là, ce qu'on a mieux à faire, en fait, c'est de sélectionner les faces et les mettre à plat. W, platène, voilà. Ça, on a supprimé les marques. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc là, j'ai agrandi cette face-là. Voilà, il n'y a pas besoin de rehausser, hein, parce que de toute façon, alors si il y a besoin de baisser, évidemment, hein, là il va falloir supprimer
pour pouvoir descendre cet ensemble de faces, le haut là, si vous avez besoin de descendre parce que éventuellement ça passe à travers le capot, vous n'avez pas d'autre solution que de dissoudre les vertices ici. X dissoudre les arêtes, pardon, dissoudre les arêtes. X dissous les arêtes, je ne vais pas en faire 45, je vais voir vite fait. Et à partir de là, vous allez pouvoir donc sélectionner tout le haut. C'est on fait attention d'avoir bien sélectionné tout ce qu'il faut. Donc évidemment les bords aussi la descendre, voilà. Et maintenant pour être sûr de ne pas avoir des vertices qui chevauchent, c'est à partir d'ici qu'on va descendre l'ensemble. Donc là je me mets en curseur 3D. Puis, voilà, à partir d'ici, maintenant je peux descendre là. Et je ne peux pas aller plus loin, évidemment. Sinon, je vais avoir une déformation ici de la pointe. Voilà, là, j'ai abaissé. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore à faire? Vous pouvez remarquer plus cet arrêt pour plutôt relever ici cet ensemble. Je crois, je vais essayer, mais je pense qu'on peut s'en servir, oui. Oui, on peut s'en servir absolument. Pour remarquer le bord ici. Je vais quand même regarder en matériau ce que ça fait. Oui. Ça va, c'est acceptable. Donc bon, voilà les différents moyens que vous avez pour mettre votre pièce en place et donc de corriger éventuellement des petites erreurs pour obtenir donc ceci. Vous ne pourrez pas avoir, évidemment, vous êtes obligé d'affiner. Voilà. Voilà, vous devez obtenir ceci et donc faire passer ensuite votre pièce légèrement sous le capot, vous soulevez légèrement le capot, quitte à re-régler ensuite éventuellement le pare-choc pour le soulever un petit peu, et puis ici la barre de support de phare, évidemment avec les phares, hein, sinon bah, ça ne va pas le faire, et puis à relever peut-être un tout petit peu le pare-choc, enfin bon, je ne peux pas le faire à votre place, donc là il va falloir vous débrouillez, je vous ai donné tous les éléments pour arriver à faire donc cette pièce, hein, vous voyez quand on la regarde dessus, elle suit, elle est dans l'alignement ici du capot. Si par exemple elle devait dépasser ou être arrondie ici, alors là vous ferez faire ceci simplement. Je vais vous faire voir ça aussi quand même avant de fermer. Ça peut éventuellement servir. Alors, si vous avez votre pièce qui n'est pas correctement ici positionnée sous le capot, pas simplement, hein, vous sélectionnez carrément des lignes comme ceci complètes, vous vous mettez en vue dessus, et puis ensuite vous les alignez avec le capot. Alors ça doit juste, on doit voir le. On peut les aligner comme ceci après avec le capot. Bon, je reviens derrière parce que moi c'était déjà aligné. Et pour retrouver ici, donc, ici tout du long votre pièce qui sort régulièrement par rapport au capot, et quand vous arrivez à la fin, ce qui m'est arrivé à moi quand j'ai redressé cette pièce, quand vous arrivez à la fin, il faut sélectionner, donc il faut redresser jusqu'à là au bord du capot, et ensuite il faut sélectionner tout l'ensemble ici, complet, et le repousser. Le ramener ici sous le bord entièrement. Donc tout ce bloc là, vous le repassez en dessous d'un seul coup. Et là, vous avez
Oui, pas de souci. Donc, attention qu'il n'y ait pas de marquage ou de capot, etc. Enfin, voilà. Donc, pour cette pièce-là, ça va être maintenant complètement terminé. Si vous voulez, oui, si je vous fais voir quand même, vraiment avant de finir, comment dupliquer cette pièce et la mettre en place, il faut vous mettre donc en vue de face, comme ceci. Vous cliquez sur votre pièce et vous allez donc faire Shift D. Je refais voir cette manip. Le manipulateur ici, le carreau, alors le vôtre il est peut-être pas vert, mais bon, celui qui va dans ce sens-là. Donc ici ça correspond ici à une lettre, c'est qui est cochée, vous allez ici là, et vous allez à la même lettre, vous faites moins 1, ce qui va donc retourner cette pièce. Alors là ça commence à ramener un peu, voir si je fais quelque chose. Que je vais avoir un peu de nettoyage à faire dans le PC. Voilà, elle s'est retournée et après vous n'avez plus que donc elle s'est mise dans la bonne position. Il n'y a plus qu'à la positionner de l'autre côté et à refaire des petits réglages éventuellement. Attache. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que là c'est vraiment la fin et plus rien de particulier à dire. Donc à vous de jouer, hein. Soyez faites les choses soigneusement parce que c'est une belle pièce, puis elle est assez caractéristique de ce modèle de voiture. Donc c'est sympa de faire une belle pièce, bien placée, etc. Voilà. Je vous remercie de suivre la CVM6, en espérant que tout se passe bien pour vous encore une fois. Et puis au prochain tutoriel, je. Pas par où je vais attaquer, peut-être les clignotants, on verra. Voilà, merci.